Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est de retour pour un nouvel épisode d'Uncharted 2. On a eu un épisode précédent bourré d'action, franchement c'était une régalade et je pense que c'est pas terminé. Et justement, je pense également qu'il s'agit d'ores et déjà de l'avant-dernier épisode de cette saga d'Uncharted 2. Alors oui, c'est assez court hein, encore une fois, comme le premier, mais en même temps voilà, l'action est tellement folle, on préfère des histoires plus courtes, mais voilà, qui s'arrête pas, et c'est clairement ce qu'on a. On est en direction d'un monastère dans la montagne, là où est parti Zoran Lazarevitch. Il a également enlevé Schaefer, qui est un ancien explorateur qui avait découvert pas mal de choses sur la pierre de Shintamani. Donc il faut l'arrêter les amis. C'est le moment. Et on est accompagné toujours de notre plus fidèle allié, Elena, les amis. Et oui, toujours là. C'est un gars sûr, comme on dit, quoi. Et on va pas faire trop de bruit parce qu'il y a déjà des ennemis au-dessus de nous. Le dernier camion n'est pas là. Faut ouvrir l'œil. Ah, effectivement, le dernier camion. Ah, je pense qu'il est plutôt en bas de la falaise. Si vous avez vu l'épisode précédent. On n'a aucune arme, hein. Je vous le rappelle. On a failli crever. Donc, hop. Ils sont passés. Voilà. Ils ont suivi merde. Ah. Le vieil homme au monastère. Ah, mince. Voilà, donc la seule arme qu'on aurait pu récupérer vient de tomber également dans le vide. Mauvais plan. Il y en a un deuxième qui arrive, les gars. Ah. Attendez. Rangez ces caisses dans le monastère. On va essayer de... À vos ordres. Faudrait qu'on arrive à voilà, l'étrangler. Au moins récupérer un flingue. Une grenade. Et un flingue, c'est bon. Ok. Un flingue, c'est pas mal. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on puisse passer par là. Ah, ça m'a l'air compliqué. Peut-être rentrer dans le camion. Tac. Oh, une arbalète. Ouh, c'est bon ça. Vas-y, clac. Très bien. Oh merde. Ok, c'est pas grave, tout va bien. On a une arbalète, les gars. Oh non. Pourquoi ça va pas? Ouh. J'ai failli bien en avoir. Vas-y, Elena. C'est bon? Oh, bien joué ça. Ça, c'est de l'infiltration. Donc, on a le pistolet. On a également l'arbalète. Ouais, le pistolet, c'est cool, mais. Mais longue distance, c'est chaud. Oh, le M4. Et bah voilà. Ouais, tout ce qu'il nous fallait. On avance. Oh. El monastère? Ouais, c'est l'entrée du monastère, les gars. C'est là que Zoran détient Schaefer. Oh, y'a des gars. Y'a des gars. Ouais, effectivement. Ils nous ont pas encore vus. Reste derrière, je m'occupe de ces gars. Oh, merci, monsieur. Oh, t'es pas en bonne forme, toi. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus à lui là? Oh oui! C'est bon ça! Merde. Yes! Nickel! J'ai plus qu'une balle donc je vais reprendre mon M4. Et on va avancer. Pour l'instant, on est tout en discrétion. Clairement, ça ne durera pas. Oula! Ah ouais, c'est blindé de garde! Ah ouais, c'est vraiment blindé de garde en plus. Hein. Si je leur mets une petite greu là. Merde. Je voulais pas du tout la mettre là. C'est fail. Non mais les gars, vous inquiétez pas. C'est bon, ils ont l'air un petit peu... Ils savent pas ce qui se passe, mais c'est normal. Ah, oh, c'est maintenant qu'il fallait mettre la grenade. Voilà. Oh, allez, on s'en fout, on tire dans le tas. Bonjour toi. Oh, 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 oh. Oh mon dieu. Non. Oh, mais c'est le mastodonte. Il est venu nous éclater. Ok. Voilà. Donc ouais. Donc le mastodonte va se calmer là. Eh, il y a un passage par là. C'est quoi ça? Elena, je reviens. Continue de les distraire hein. J'arrive. Tac 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 tac. Vas-y, saute. Nathan, il veut pas sauter. Ok, Nathan, bah saute pas, tant pis. C'est quoi ici, là? Oh.
Une arbalète. Ouais. Ouais mais bon. Oh purée, j'ai acheté mon M4 dans l'eau en plus. T'es sérieux? Je peux pas grimper? Moi qui croyais que c'était une... je sais pas moi, un passage secret. Bon bah Elena, je reviens. Tac. C'est bizarre, je pensais que j'aurais pu peut-être, tu vois, rentrer sur le côté. Bonjour. Voilà. Oh merde, pas lui. Oh les gars. Lui il est chaud lui. Faut lui tirer dans les jambes. Il est mort. Il est mort le mastodonte. Waouh waouh waouh, mais c'est quoi tous ces gens là? J'ai plus beaucoup de balles hein. Bien joué. Plus que 4 balles, ok. Bon, on en a éliminé pas mal déjà. M4. Waouh waouh, y'a un mec à un laser. Y'a une mitrailleuse là-bas. Où ça? Oh my god. C'est incroyable comment les gunfights ils sont stylés. Ça me rappelle tellement les vibes de The Last of Us. C'est incroyable. Je pensais pas en commençant là. Cette saga d'Uncharted, ressentir vraiment les origines de The Last of Us, tu vois. Je savais que c'était Naughty Dog, tu vois, qui l'avait fait. Mais dans le... tu vois, dans le gameplay, en fait, c'est incroyable. Tu sens que ça a tout, tout... En fait, The Last of Us a commencé par Uncharted. C'est fou. C'est fou de dire ça. Ok. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a une mitrailleuse. D'accord. Je comprends. Oula. Ça y est, elle a commencé à tirer. Et là, c'est la merde. On va prendre... Non, on va... bah, ça va pas trop nous servir pour l'instant, je pense. Ouh, il y a beaucoup de... Effectivement, il y a beaucoup d'armes ici. Hein. Ouh, on est régalé. On a un petit pompe. Bah, pour l'instant... Alors, lui, ça va être chaud, hein. Effectivement, là. Ah, regardez-moi ça, là. Un petit chariot. Ok, on va se mettre derrière le chariot. Ouah, à couvert. Vas-y, Elena. Vas-y, Elena. Fonce. On y va. Let's go. On pousse le chariot. On traverse le pont. Merde, y'a un trou, les gars. On va pas pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pas vrai, ils sont des deux côtés. Aïe, aïe, aïe. Oh, y'a des ennemis maintenant. Oh là là. Wow. Aïe, on se fait fumer. Faut qu'on descende. Ouh. Ok, on peut passer par là. Oh là là, dépêche-toi. Hop là. Ok. Normalement, je peux faire ça. Oh, attention à lui avec son laser. Vas-y, Elena. Gêne-le. Et lui, il nous a toujours en ligne de mire. C'est très très chaud. Allez, vas-y, dans notre jambe. Oh oh. Tiens, hop là, mange ça. Bye bye. Encore? Putain, il veut une deuxième. Non mais je préfère faire gaffe. Ouh lolololo. On monte, on y va, c'est maintenant. Ouh. Ok. Waouh. Comme c'est stylé. Mais on peut pas laisser Elena en galère comme ça. Voilà, on va la balancer là. Hop là. Voilà, on verra ce qu'on en fait après. On recharge. Ah, elle est tombée là. Ok. Waouh. Ouh, ça pique. Salut. Ils tirent bien les mecs hein. Je crois que la mitrailleuse est à découvert. Allez. Yes. Waouh,
prends la mitrailleuse. C'est parti les gars. Eux d'abord ils sont trop dangereux. Allez Elena, je te couvre. Oh mon dieu cette armée. Oh mon dieu cette armée. Il y a deux mastodontes qui sont là-bas. Attention Elena, passe pas devant. T'es une malade ou quoi? Ouah, mais ce qu'ils se prennent dans la tronche. Ils sont solides hein. C'est bon. Ouh. Waouh. Ah c'était fou. C'était incroyable les amis. Quel début d'épisode de malade. Ah là là. On pourra pas ouvrir cette porte si on s'y met pas à deux. Ok. Attends, je refais le plein un peu de tout. Voilà, grenade. Bon, je vais prendre le pistolet, de toute façon. Allez, vas-y. On verra si dans le 3, il y a toujours ces boutons à pression à faire. Parce que je sais que dans God of War, ils l'ont abandonné, je crois, pour le 2 ou le 3, je crois. C'était moi une, mais jolie. Ok. C'est profond. On dirait que cette poutre est notre seule issue. Ah ouais. Avoir une corde en bas. Ok, bouge pas. Je vais descendre et te la rebalancer. Logique. Comment on descend? Ah là. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ouh là là. Ouh là là, c'est chaud. Oh 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 oh. C'est bon. Ah. Ok. La poutre est là. Bien, voilà la corde. Attrape! Je l'ai! Et nous, on peut y aller. Très bien, suis-moi! Oh. Oula, oula, qu'est-ce que tu me fais? Attends, me fais pas des frayeurs comme ça, s'il te plaît. Bien joué, Elena. T'es vraiment incroyable. Ici. Et là, derrière. Il va falloir que tu sautes. Je t'attraperai. Très bien. Oh là là. Voilà. T'as vu? Pas de sueur. Pas du tout. Tout va bien. Oula. J'imagine qu'on doit aller là-haut. Tu me fais une courte échelle peut-être? Non? Ah, on va pousser la statue. Bonne idée. Allez, par ici. Ok. Aide-moi. On va la pousser. C'est ça. Et on peut escalader ce truc maintenant. Bah oui, bah c'est un peu pour ça qu'on l'a fait quoi. Bravo Elena. Attention, qui sait combien d'années en ces panneaux. Ouais, effectivement. Ah là là. Mais qui fait des chemins comme ça, sérieusement? On y est. Regarde. En haut, ce sont eux? Ouais. Ils emmènent Schaeffer dans cette tour. Merde. Allez, on doit se dépêcher. Ça va pas nous empêcher de le libérer, hein. Là.
C'est fermé. Y a aucun moyen de passer par là. Ouais. Ok. Je vais essayer de trouver un autre chemin. Ouvre-la par l'autre côté. Soyons patients. Très bien. Essayons d'être malins. Ce n'est pas la peine d'attirer inutilement l'attention. Subtil. Bien. On y est. Bon, alors... Par où est-ce qu'on va passer pour passer cette grande porte? Là. Tac. Voilà. Heureusement qu'il y a des petits trucs rouges de couleur quand même. Hein. Ok. Voilà, parfait. Et maintenant... Tu vas sauter sur la poutre, hein, j'imagine. Pas du tout. On y retourne. Ok. Voilà. J'avais mal sauté. Ensuite là, et ensuite il y a ces petites pierres là, attrapées. Comme ça. Waouh. Oula. Dépêche-toi quand même. Hein. Oh merde, il y a un garde. Il y a un garde. Oh merde. Oh purée. Tu calmes. Ouais, il y a quelqu'un. Pas qu'on se fasse griller, je vous le rappelle, donc pour l'instant on ne tire pas. Aïe aïe aïe. Attends, ça tient pas leur truc. Waouh. Bonjour monsieur. Waouh waouh waouh, il y a trois gardes. Ouvre l'œil et le bon. Bien sûr. Non mais là si je saute c'est marrant. Je peux pas me hisser. Que là je vais jamais atteindre. Oh, merde. Il va me griller? Non. Ah ouais d'accord. Allez vite 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 vite. Clac. Étranglement. Bien joué. Qu'est-ce qu'on a? Grenade. Parfait. Waouh, regardez le monastère, il est là. Le temple, notre destination finale. Je crois qu'il faut qu'on descende. Ah ouais, j'avais pas vu lui. Wow. Splinter Cell le mec, ça me fige. Oh c'est chaud. Tu vas pas venir jusque là quand même. Non. Ok ok. Clac. Oh là là, c'est fort, c'est fort. Desert Eagle, ça c'est bon ça. Il y en a un là. Merde. Je m'attendais pas à ce qui. Oula. Oula oula. Ok. En même temps, on est peut-être pas obligé de le buter lui. Hein. Ah si si si, il va nous gêner. Ah je peux descendre. Hein. Ah, il va nous gêner je crois. On va essayer de sauter. En plus il va vite dans sa ronde là. Il fait vite des allers-retours. Oh magnifique. Merde. Oh je me suis fait griller. Ok 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 ok. Ah d'accord. Je comprends mieux pourquoi il fallait pas que je... Oh. C'est dur. Allez. Dégage. Le mieux c'est quand même de rester effectivement discret hein. Je pense.
Allez, on refait la même. Tac. Je savais pas qu'il y avait des... Oh merde. Ok, bon bah... La discrétion, c'est mort. Attrape ça. Ça arrive. Oh le bâtard. Je lance des grenades de partout, tu sais. La tour, déjà qu'elle est pas en... En grosse forme. Wow. Wouh. Ah mais là, on a une vue parfaite. Hein. Ok. Wouh. C'est qui tire comme ça, là? Truc de ouf. Bien sûr qu'il se planque. C'est 14 contre moi. Il est où le gars? Ok, ok. J'aurais aimé faire ce tour en toute discrétion. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Je crois que je peux passer par la fenêtre. Non. Ah ouais. Pas vraiment, non. Putain, j'ai peur de sauter en fait. Putain, il en a encore un là. C'est dingue! Non, c'est pas possible. Ils sont où? Ah, ils sont là, regardez. Ils sont tout en bas, les petits cocos. Ok. Wow. Je sais pas où ils sont, ça me stresse. C'est ce qu'on va voir. Mais grave. Tellement. Ah, il est en bas. Je l'ai vu, hein. Oh, ça vient du ciel, mon ami, lève la tête. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je sentais que la tour, elle était pas très stable. Vive la discrétion. Dis ça au gars avec le lance-roquette. Mais oui, c'est pas de ma faute. Wow. Non mais vous êtes sérieux là? Aïe 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 aïe. Oh, allez 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 allez. Je vais plus avoir de balles en plus. Oh l'escroc. Oh. Oh. Incroyable. Je n'ai plus de... Aïe 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 aïe. Ça pique. Attention. Il l'a tellement bien lancé. C'est abusé. Oh mon dieu. Il me prend le fou avec les grenades. C'est n'importe quoi. Oh là là, lui. Lui fait mal. Je vais plus avoir de balles en plus. Non, 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 non. Non, non, non. Regarde, regarde, la grenade comme elle arrive sur moi là direct. Elle est géolocalisée la grenade. Non mais. Oh my god. Ok. Non non non. Non non non. Calme-toi. Non, pas ça, je veux pas ça. Voilà, M4, très bien. Bien ça booste aussi le bouclier. Bah non en fait. Oula. Avec la musique et tout, c'est trop stylé. Ouais, non, fais pas ça, s'il te plaît.
Ils sont classe ceux-là avec leur fusil à pompe là, c'est stylé de ouf. Montre-toi. Tint. Ouh. Y'a un mec là-haut. Elena, vas-y, vas-y, tire. Il arrive sur moi. Y'en a un à l'eau, normalement. Wow, la grue. Aïe, aïe, il est où? Il est au-dessus de nous. Oh là là, on voit tout gris là dans cet épisode. Hein. C'est fou. Je pense qu'il faut qu'on le fume et qu'on monte à l'étage après. Mais vas-y, sors de ta cachette aussi là. Aïe aïe aïe, ils font trop mal. Vraiment. Vas-y, je crois qu'on va se faire une petite courte échelle. Non. Ah, pas du tout. Pas du tout. Aide-moi à monter cette échelle. Elena, allez! Allez, viens. Ils sont juste au-dessus, les snipers. Les snipers. Elena, te prends pas un headshot. Fais gaffe à toi. Waouh. Wow. Ils sont où? Très bien, ici. Oh, ils sont loin! Allez! Dépêche-toi, dépêche-toi. Putain, mais ça se fait pas, moi j'ai pas de sniper là. Aïe. Vas-y, grimpe. À couvert. Oh! Ouais! Faut qu'on monte. Oh my god! Tiens, dégage! Au secours! C'est bon. On grimpe. Choqué par la diversité de phases de ce jeu, c'est incroyable, c'est dingue, hein. C'est tellement malin. Il y a tellement de On peut pas sortir maintenant. Ces snipers vont nous tirer comme des lapins. Lance-roquette aussi, pas que sniper apparemment. Je crois qu'il y a un fusil de sniper là-haut. Où ça? Là-haut où? Ah ouais, encore plus haut. Juste à savoir comment y aller. Ok, je pense qu'on peut grimper là. Yes. Tac. Ah oui, il y en a un là aussi. Ou est-ce que c'est celui-là dont elle parlait? Je ne sais pas. Ah non, il y en a un autre là-haut. Allez les gars, vous voulez jouer au sniper? On va jouer au sniper. Mon dieu. Ouais, on va se reculer peut-être, hein. Waouh! Il est en train de détruire toute la tour. One. Putain, c'est lui le rocketman là. Oh! Mon dieu, Nathan, t'as détruit une tour du monastère? Waouh! Boum! Ah. Laisse pas vous m'occuper de lui là-haut. Yes. Incroyable cette phase. Non, tu passes pas, c'est mort. Tu restes là-bas. Merde. Oula.
Yes, baby. C'est toi qui es mort. Voilà le dernier. Oh, yes. Waouh, c'était trop bien. J'ai kiffé avec la tour et tout qui s'effondre. Non, c'était fou. Oh là là. Oh, ce jeu est trop bien. Vraiment, c'est... Je suis impressionné. Ouais, je peux lâcher là. Et y a plus qu'à y aller. Let's go, Elena. Et voilà. Ah, quel enfoiré. On n'a pas beaucoup de temps. On doit aller. Se... Allez, parti. Ça me fait rire. Et le mec, là, Zoran, il voit tous ces hommes se font buter les uns après les autres. Il avance tranquillement. C'est trop marrant. Oh. Tu vas bien? Cours. Ouais. Ouais, 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 ouais. Oula, oula, oula. Oula. Oula, oula. Oula. Non, 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 non. Ouais, mais je sais pas pour combien de temps. Oh là là, oh là là. Oh, c'est chaud là, le pont. Oh, mais le truc. Oh ma cat. Le truc qui ressemble plus à rien, quoi. Oh, au secours. Pourquoi il faut toujours que tout s'effondre sous nos pieds? Allez, allez, allez. Oh, c'est incroyable. Non, mais... Il défie la loi de la gravité. Je traverserai plus jamais un pont avec toi. Ça marche. Bon, les gars. On y est. Très bien, on va ouvrir ces portes. Ok. Allez, file-moi un coup de main. Attention. Juste derrière toi. On y est presque. Reviens. Voilà Lazarevitch. Montez la garde! Soyez attentifs. Où est Schaeffer? Il ne sait rien. Ils doivent les retenir là-dedans. Ok. J'ai mon petit sniper. Ça va être sympa. Oula. J'ai 10 balles, plus que 7. Ça fait 10 morts. Ok, bon, sans compter celle-là. Plus que 4. C'est bon? Ok. Trop bien. En fait, c'est la vie, le snipe. Il est où lui qui crie là comme ça? Je te tiens! Je l'ai. Wow! Il a un lance-grenade! Wow! Il est par là! Une balle. Oh non, je l'ai raté! C'est interdit! Ok, il y a un mec là. Desert 5, ça c'est parfait ça! Yeah. Non, ils sont pas en haut, ils sont en haut. On vous a bien vu. Ok. Faites-le sortir. Ok, tout de suite. Je bouge, je bouge. Oh là. Ouh là là, ils tirent en croisée, les mecs. Bam. Non, je suis toujours pas en bas. Il y en a une en bas, un en haut. On est mal, hein. On vous a perdu, les gars. On vous a embrouillé le cerveau. Allez, là-bas.
dans les roubignoles. Ok, j'ai plus de munitions. Ils sont là. Ils sont où? Ils sont où? Dites-moi, ils sont où? M4. Waouh. Wow. Il y avait un sniper là. Oh oui, c'est bon ça. C'est parfait. Oh, je suis pas du tout correctement couvert. J'ai 5 balles, les gars. 5 balles de snipe, c'est la vie. J'ai pas envie de descendre, je suis un sniper, je reste en hauteur. Voyons. Mais ils sont où? Oh, lance-grenade. Bah alors? Oh mon dieu! Que est-il? Bah voyons, Elena, il est juste devant toi, fais quelque chose. Oh merde. Oh oui. C'est good? Oh. Sniper Dragon. Ou je veux le Dragon. Sniper Dragon, c'est trop fort. C'est encore plus fort qu'un lance-grenade. Bon, on est pas mal. Elena, où es-tu? Mon ami. Ok. Je vois que tu es là. Tu m'attends? Très bien, j'y vais. Ok. Tu pourrais m'aider quand même. Très bien, c'est comme pour la sortie d'urgence. Ok. On forme quand même une super équipe avec Elena, franchement. C'était pas à prendre au pied de la lettre. Oh oh. Attends, attends, recule, recule. Je recule, je recule. Livraison spéciale. Me fais pas tomber une caisse sur la tronche. Bien vu. On y va. Bon. Ah. Hop. T'es toujours là? Ouais, joli. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et voilà. Tu sais, même ces phases là où Elena met des planches et tout, ça me fait trop penser quand c'est Joël et Ellie, tu vois, qui s'entraident à avancer dans les niveaux. C'est ça en fait. Oula. Vous avez entendu ça? On y est presque. Il y a eu un bruit très chelou. Restons vigilants. Très bien. Garde la tête baissée. Ouvrons l'œil et le bon. Okay. Allez, ça dégage. Quoi? Allez, moi aussi, je vais te mettre une petite grenade téléguidée là. Hop. Quoi? Vraiment? Allez, on y va. Non! Non, 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 non! Au secours! Merde, qu'est-ce que tu fais? C'est parti. Merde, merde, merde. Putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Ça avait tellement mal commencé ce moment. Oh mon dieu. Bon. Ouais. Voilà, vous savez quoi? Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. C'est bon. Lui là. Oh. Oh yeah, poseur de bombe. Bon, c'est pas la première fois que j'en tue avant qu'il lance sa bombe. Bizarre. Sniper Dragon, 50 victimes au Sniper Dragon, tu m'étonnes, j'aime trop cette arme. Desert 5, vas-y. Ok, non bah il faut poursuivre. Allez, suis-moi.
Où est Schaeffer? Où est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'ils l'ont gardé? Ok, ça va être par là. Hein. Quoi? Pourquoi il y a eu triangle là? Ah d'accord, la porte. Oh. Là-haut. C'est ici qu'ils doivent retenir Schaeffer. Ah merde! À terre! Oh oh. Chapitre 23, réunion! Je suis pas équipé de fou en plus, j'ai 7 balles de flingue. On va descendre là, récupérer ça. Wouhou! À ne pas reproduire chez soi, hein, bien sûr. Oh là, pas lui! Merde, 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 merde! Tirez les dards! Tirez les dards! Merde, j'ai plus de. Yes! Ok. Putain, il faut qu'on récupère des trucs là. Waouh! C'est chaud là. T'as les mecs, lance-roquettes, tout. Pop, 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 pop. Il est où? Putain, j'ai pas assez de. Je crois pas qu'il y en avait qu'un seul lance-roquette. Hein. Tac. On récupère ça. Faut qu'on monte à l'étage, hein, parce que là, on est en train de se faire fumer. Là, il y a un escalier. C'est bon. Ouh. Non, c'est pas bon. C'est pas fini. Wow. Attention à lui là. Eux ils font très très mal. J'aurais pas dû échanger moi M4 contre ça. Elena elle se débrouille vachement bien quand même hein. Franchement. Bon je crois pas qu'elle tue beaucoup de monde. Mais en tout cas elle a le mérite de faire un peu de diversion tu vois. Putain y'a un mec qui arrive par le dessous. Y'en a deux là-bas là qui se planquent. Mais les gars vous êtes pas à couvert, vous avez juste une petite barrière devant vous. Ah ok. Doucement, doucement. Hein. On va pas s'enflammer maintenant. Il y en a un là-haut ou quoi? Ah ouais. On monte peu à peu. Il nous reste encore un étage avant d'atteindre. Oh pas lui. Ok super. J'ai plus qu'un pompe. Donc c'est beaucoup trop loin. Oh merde, il y en a un en bas aussi. Putain ils sont chauds. Hein. Wow, remonte. Fais pas ça, Nathan. Il y a un mastodonte en bas. Et normalement, il y en a un haut aussi. Heureusement, avec son pompe, il est trop loin pour me faire mal. Allez, il a perdu sa cagoule. Ouh, lance-roquette, c'est bon ça, les omus. Voilà. Donc on a deux roquettes, ce qui est quand même très sympa. Et on va pouvoir aller aider Schaeffer. Je les vois. Waouh. Normalement, il en restait un là, un mastodonte, mais bon. Je pense qu'il est mort. Allez, on y est. La puerta. Elle est là. Oh non. Ah, ils l'ont tué. Ça va aller. Non. On est là. Vous aviez raison. À propos de quoi? Vous détruisez tout ce que vous touchez. Ok, bon. On va vous sortir de là. Non. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vous avez trouvé mes hommes? Oui, je les ai trouvés. Vous savez pourquoi j'ai agi comme ça? Oui. S'ils avaient trouvé la pierre, ça aurait changé le cours de l'histoire. Doucement, doucement. Il a pris la dague. Je sais. Il est allé à la tour.
Vous devez l'arrêter. Essayez de ne pas bouger. Ce monastère dissimule le chemin secret qui mène à Shambhala. Vous devez récupérer la dague, trouver le chemin secret et détruire cette maudite pierre avant qu'il puisse mettre la main dessus. Drake, vous devez me croire. Schaeffer. Oh, Nate. On peut pas l'abandonner. Tu crois qu'on a le choix ? Tu l'as entendu ? Tu crois que c'est vrai, toute cette histoire ? Je sais pas. Mais il y croyait. Moi, ça me suffit. Ok. Il faudrait qu'on se sépare. Quoi ? Non, écoute. Je vais retourner me renseigner sur cette entrée secrète, et toi, tu vas à la tour trouver un moyen de récupérer la dague. Ouais, d'accord. Mais fais-toi discrète et garde le contact radio. Ouais, ok. Bonne chance. Allez, on avance. Sans Elena, cette fois-ci. Wouhou! Oh! Ça sert. Ok. Il y avait un trésor qui était pendu. Wouh! Ok. Voilà la tour. Ouais. Oh! Oula! Ouais, alors j'ai un lance-roquette dans une main et un pistolet de l'autre. Rien à voir. Aïe 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 aïe. C'est bon. J'ai pas envie d'abandonner mon lance-roquette comme ça sans avoir tiré avec quand même. Ça serait trop dommage. Tac, voilà, on va faire le tour du bâtiment. Oula. Waouh, magnifique. Ça, c'était un beau tir. Je crois que je peux descendre en fait. Ok. Je sais pas si je dois aller là en vrai. Je suis pas sûr en fait. Trop chelou. Tac. Mais là il y a un petit escalier. Cette pièce ne sert absolument à rien. Ah regardez. Ok, ok, on fait ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Sur quoi il tire ? On tient bon ! Oh ! Oh mon dieu, ils sont de retour. Oh bah on va vous laisser vous amuser avec les monstres. Oh, ils sont sur les toits et tout. Waouh. Ah vous êtes en panique les gars, hein. vous connaissez pas ça hein. Ah vous allez voir. Vous allez voir, c'est très sympa. Je peux pas sauter d'ici quand même. Là je peux pas rentrer. Ah si, je suis obligé de faire ça en fait. Et de descendre là comme ça. Hein.
vais essayer d'en choper quelques-uns de manière discrétos. Merde. Voilà, voilà. Discrétos, discrétos. Bon bah voilà. Je voulais utiliser mon lance-roquette. Je pense que c'est pas mal. Ah, j'ai pas hésité là. Je les ai vus tous les quatre. J'ai dit c'est le moment ou jamais. Oh oh. Vous êtes sérieux là? Non mais attendez, c'est quoi? Je sais pas. Sans déconner. Mais il est où lui? Ok. Ok, donc visiblement, rester à couvert, c'est bien. Merde. Sans déconner. Wow. Y'a un mec qui me déglingue. Ah mais c'est que des mastodontes. Mais vous êtes sérieux? Vous avez vraiment aucun respect? Aïe 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 aïe. C'est trop. Frérot, vous faites quoi là? Quoi? Les deux, ils sont pas tous morts en fait. Ouais, vas-y, sors-toi. Lui, je sors juste sa main. Crac des poseurs de bombes. Faut qu'on récupère. Ouais, faut qu'on récupère, quoi. Vous avez compris. Voilà. Non, non, pas ça. Bah non, pas ça. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, c'est la folie, là. C'est la folie, ce moment. Merde. Je peux pas gâcher des trucs comme ça. C'est interdit. Non, mais entre eux. Les gros, non, regarde tout ce qu'il me démonte, il me démonte. C'est incroyable là, tout le bordel. Il est incroyable ce bordel. Oh là là. Ouvre ça. Allez, allez, mange les bombes, je sais pas, fais ce que tu veux, mais. Mais vas-y, on se casse, on se casse, on se casse. Oh là 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 là, y'a. C'est un truc de ouf. C'est lui là-bas, il nous rend ouf. Putain, j'ai plus de munitions, les gars. J'ai plus rien, j'ai plus de balles. On fait quoi? Non, 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 non. Oh là 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 là, mon dieu. Vite, 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 vite. Non. Wow. Sérieusement toi là, depuis tout à l'heure? Purée, c'est un truc de ouf. Mais vous avez pété un câble ou quoi? Sans déconner. Oh là là. Ils sont tarés. Non. Non. Vous l'avez entendu? J'ai pas rêvé.
Lance-roquette ou lance-grenade? J'ai envie de dire lance-grenade, j'en ai plus, mais bon. Ouais. C'est pas une bonne nouvelle. Cette fois-ci, on les a vus. Tout à l'heure, on les avait qu'entendus. Ok, donc ils sont deux. D'accord. Putain, c'est la merde. Ils sont juste au-dessus de nous, les gars. Faut surtout pas faire de bruit. Comme par exemple ouvrir une vieille porte qui te grince. Waouh. Ok. Alors lui, il a pas l'air de rigoler du tout. Je vais me mettre là. Il y en a d'autres. Oh, il y en a deux. Mon dieu. Il y en a deux. Je fais quoi? Je reste discret ou... Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Il y a un lance-roquette là-bas. Wow, wow, wow. Mais j'ai même pas eu le temps de l'atteindre. C'est ça le problème. Ok. Je sais que j'ai des lance-grenades sur moi, mais... Ok. On l'a atteint et ils m'ont pas repéré, donc ça c'est bien. Merde, 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 qu'est-ce que tu fais? Il a pas... Deux roquettes, il a pas bougé. Ok. Trois roquettes, c'est normal ça. Son pote par contre, je crois qu'il est complètement bourré. Ah non, il est là. Non mais c'est abusé. Non mais... Qu'est-ce que... Comment c'est possible de... Ok. C'est ce qu'on va voir. Non mais c'est bon. Non mais arrêtez. Ouh là 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 là. Chaud, chaud, chaud. J'ai plus qu'une... Raté ta petite grenade là. Ok, c'est chaud là. Merde, là j'ai plus rien. Là j'ai plus rien. Ouh, il y a une sulfateuse là-bas. Bon, mon PC a décidé de planter en plein enregistrement. Donc voilà pourquoi vous avez pas vu le gars que je viens de tuer. Donc il est monté les escaliers et voilà, je vais fracasser la tête quoi. Ah ouais, ils sont toujours là-bas. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait ça un petit peu? C'est sympa ça. Il en reste? Je pense qu'il en reste en vrai. Mais je sais pas où. Tellement lent avec ce truc. Bon allez, j'ai trois roquettes, on va les garder. On va les utiliser surtout. Ah d'accord. Ok. Ouf, c'est un peu... L'angle il est pas facile. Oh là là. Non, non, non. L'angle est pas facile. Si je tire là, il meurt ou pas? Ouais, effectivement, il meurt. Ça fait un peu bourrin, je vous l'avoue. En vrai, je sais pas par où monter. Ah. Je sais pas si je peux aller là, comme ça... Je sais pas, on va voir. Ah, il y a une échelle, ok. Ok. Tac, tac.
Ouais, c'est bien ça. Vas-y. Des petites munes de lance-roquettes, c'est bien. Hop là, on change. Et je pense que je peux descendre. Voilà. Nate, il y a quelque chose de bizarre dans ce coin. Il y a des espèces d'animaux. Ouais, j'aurais certainement mieux fait de te prévenir. Me prévenir? Attends, tu savais pour ces trucs? Quand est-ce que tu comptais m'en parler? Sois discrète et ne t'approche pas d'eux. Oui, non mais c'est pas... Après, des animaux, bon, ça va quoi, c'est des grosses biquettes, quoi. Ok, on va aller là. On va faire ça. Il leur faut des renforts. Vite, des renforts. Tu te calmes, Nate. Waouh. Regardez-moi cette petite armée. Elles sont par là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, vous avez pas de chance en plus. Vous avez ces trucs et vous avez Nathan Drake. Voilà, je sais pas lequel est le pire, mais j'ai une petite idée. Ouais. Ouh là 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 là. Eh, on les. Bah, Nathan, voyons, pourquoi tu t'es lâché? Qu'est-ce que je me fais là? Faut pas faire ça. Et hop. Voilà, c'est bien mieux comme ça, hein. Tac. On continue par ici. On les entend, on va bien finir par... La tour. Par tomber dessus. On est arrivé à la tour, les gars. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On progresse bien. Ras-le-bol de ses excuses. Ok, laissez-moi un peu de temps, c'est tout ce que je demande. Je vous ai laissé assez de temps. Je vous ai apporté la dague. Alors, où est la porte de Shambhala? Voilà, Zoran. On sait que... Je n'ai pas fait tout ce chemin pour me heurter à ton incompétence. On sait que la réponse est quelque part dans cette pièce. Faut juste qu'on la trouve. Pendant ce temps, Drake te suit partout comme un clébard. On dirait que j'ai pas embauché la bonne personne. Quel enfoiré. Je vais essayer d'arranger un peu les choses. Toi, reste là. Essaie de trouver une solution. Ok, trouve Chloé. Je crois que c'est à moi. Nate? Ne reste pas là. Donne-moi la dague. Ils seront là dans Chloé, une minute. Ne me force pas à te la prendre. Comment je vais leur expliquer que je ne l'ai plus? Tu trouverais quelque chose. Comme toujours. Écoute. Fais quelque chose pour moi. Tue cette espèce de minable. Elle est dark, Chloé. Très bien. Qu'est-ce que je cherche? Alors. Attends un peu, ça me semble familier. Un dragon. Un espèce d'oiseau chelou. Une espèce de
de lion plutôt, et là un tigre. On va regarder dans le carnet de Marco Polo. Ah, il a dessiné les bêtes. Waouh, ils sont magnifiques les dessins. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre, l'air, l'eau, le feu, les éléments, ok. Ah, justement, c'est ce qu'il y a sur les murs. Alors, le vert, il est associé à l'air. Le rouge, ouest, donc l'ouest. Le tigre vert à l'est. On a le lion des neiges. A l'air d'être associé à une couleur. C'est ça. Le dragon avec la couleur blanche et l'eau et le sud. Ok. Alors. On a effectivement ça. Maintenant reste à savoir comment ça s'utilise. Je parie que je peux déplacer ces trucs. Ah. Ok. Donc on a des objets au sol. Et on a des ronds aussi également au sol. Les ronds sont tous les mêmes. On a un cadran également. Ça c'est vert, on est d'accord. Et le vert, c'est le tigre, si je me souviens bien. Et le tigre, il est... Attends, faut pas se tromper entre le tigre et le lion. Ok, ça, ce serait le vert. Donc si je me réfère à la couleur de la pierre... Waouh, c'est lourd. Ça devrait être ça. Ah, ce machin n'est pas au bon endroit. Ah. Merde. Comment on peut savoir par rapport à... Il y a des motifs après dessus. Hein. Il y a des motifs. Ah, il y a une couleur en dessous. Je crois. Ah non, pas du tout, ils sont tous rouges en dessous. Faut juste qu'on essaie de trouver comment les reconnaître. Ah. Ok. Orange. Orange? On n'a pas d'orange. Oh, on a jaune. Ça pourrait être ça. Ah. La terre, c'est orange. Et la terre... Ah, c'est le, c'est ce genre d'orange. Donc c'est... Donc c'est le lion des neiges, le carré. Donc on va commencer par le carré tout en bas. Et c'est le lion des neiges. Je pense qu'on a trouvé la solution à l'énigme. C'est celui-là. Parfait. Ensuite, donc on a besoin de plusieurs pages du carnet. Ensuite on a le rond qui est associé à l'eau. Et le rond, c'est le dragon. Et c'est la boule. Elle est là. Et le dragon, il est là-bas. Le dragon avec l'élément de l'eau. Ce lit, il se repose tranquillement en train de boire un petit mojito sur la plage, il a dit. Il en a marre de toutes ces... C'est ce qu'il a pas dit, trop vieux pour ses conneries. Ensuite, nous avons le triangle, le rouge associé à l'élément du feu et également associé à cette espèce de d'oiseau chelou. Donc c'est le
triangle. Il est là. Le feu. Et le feu, c'est lui là-bas. Et voilà les amis. Et enfin, le dernier. Il va là. Super. Ça devrait être bon. Oh merde. Encore? D'accord, c'est pas la première fois que je vois ces symboles. Ça a ouvert quelque chose à l'intérieur. Il y a plusieurs faces. Maintenant, faut savoir quelle face correspond à ce quoi. Oh, le rouge. Donc on les voit tout en haut. Hein. On les voit tout en haut. On va commencer par le. On va commencer par le blanc tout à gauche, qui est donc le dragon. Et le dragon, c'est un espèce de A. Ah bah visiblement, lui est déjà bien placé. Hein. C'est le même symbole. Ouais. Ensuite, on va faire l'air, qui est le dragon, le tigre, pardon. Et c'est aussi un espèce de A. Ah, attention, c'est pas un espèce de A. Il y a un truc au-dessus. J'ai pas fait attention. Voilà, c'est plutôt celui-là. Parce qu'il y a un A, mais il y a une petite lettre au-dessus. Chacun un petit correspond symbole. À une couleur, tout comme les créatures. Ensuite, le tigre, c'est vert. Sans rien au-dessus, avec un A sans rien au-dessus. Donc c'est plutôt... Ah, attention, parce que il y en a qui sont très semblables. Et c'est pas celui-là déjà, tu vois. Il est plus arrondi. Voilà, comme ça. C'est celui-ci. Du coup, je vais juste vérifier celui-là, mais normalement... Là, il y avait trois broches sur les côtés. Ouais, c'est ça. Hein. Trois broches. Enfin, quatre même sur la côté gauche. Et un truc. Ok, ça c'est bon. On en a deux qui sont ok. Il nous en reste plus que deux. On va regarder le rouge. Donc le feu. Et ça fait un espèce de L à l'envers au milieu. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, je crois. Ouais. Ça a l'air d'être ok. Et enfin, le bleu. Non, on n'a pas de bleu. On a jaune. Enfin, c'est orange, en fait. Et orange, c'est un trait vertical. Et je crois que c'était lui, hein. Ouais, c'est le tigre des neiges. C'est ça. Un trait vertical, c'est celui-là. Perfect, baby. Oh yeah. We did it. Trois côtés, pile comme la dague. Ok. Ça a ouvert une porte. C'est bon. Elena, tu m'entends? Ouais. Je crois que je viens de trouver l'entrée secrète. Vraiment? Ouais. Tu vois là où il y a toutes les statues sur la falaise? Rejoins-moi là-bas. Parfait. J'arrive. Ok les gars, et bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cet avant-dernier épisode. C'était très très stylé. On a une magnifique vue d'ici là avec la statue là-bas. Beaucoup d'action, de l'infiltration,
de l'énigme. Voilà, on a été régalé encore une fois. Ce qui veut dire que demain, les amis, ce sera l'épisode final d'Uncharted 2 Among Thieves. J'ai très hâte de voir comment toute cette aventure va se terminer. Je vous dis à demain, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.